devoir être prudent. Hein, mais que...
Whoa. L'imbécile de frère s'est barricadé à l'intérieur. À qui est-ce que tu parles? À l'un de ses rançonneurs, n'est-ce pas? Non, pauvre idiot! Il fuit les hommes de ses faitous. Mais s'enfouir la tête dans un buisson ne résoudra rien. Je ne suis pas une autruche! Ce sont des chevaux que j'entends. Ce sont eux! Va-t'en vite! Aide-le. S'il ne travaille pas, les percepteurs de ses faitous vont s'en prendre à lui. Je ne sais pas si je pourrais le convaincre, mais je vais garder un œil sur ces percepteurs. Eux, je vais les persuader de vous laisser tranquille. C'est Jerriot. Hey.
quoi? Je vais te tuer! Oh.
Je dois m'occuper des archers de Sefetu à Saïs. Ils sont ses yeux. Qu'un autre marchand n'a pas pu payer son fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Brando a envoyé ses soldats brûler son bateau et ses marchandises. Ils m'ont dit que la prochaine fois, je serai moins gentil, que c'est lui qui se fait brûler. Occuper des archers de Sefetu à Saïs. Ils sont ses yeux. Les collecteurs d'impôts réclament trop. C'est peine perdue. Mais que peut-on faire? Je ne peux pas décider. C'est tentant, mais toute ma famille est ici. Tu as de la chance de n'avoir ni femme ni enfant. Toi, arrête-toi. Quoi? Souffrir.
À Moses ? Oui. J'ai des coques et des moules toutes fraîches. Je m'appelle Bayek. C'est Harkouf qui m'envoie. Il a besoin de ton aide, car tu étais l'ami de Jeska. Je t'ai... Jeska a été tué. Harkouf a besoin d'un homme de confiance. Maudite vache bouffie, aide-moi à les chasser d'ici. C'est quoi ton nom ? Bayek. Ravi de te connaître, Bayek. Je m'appelle Jeska. Comment es-tu arrivé ici ? Je me suis perdu. J'ai mal choisi mon chemin. Éviter les patrouilles de Sefetu, ce n'est pas mal choisir son chemin. Qu'est-ce que tu sais de Sefetu ? Harkouf t'a cru morte. Mais tu as pu fuir. Il a besoin de toi. Aide-moi à porter ses vivres à mon village. Ils sont nombreux à compter sur moi. Là-bas, nous parlerons. Comment as-tu connu Harkouf ? Un homme envers qui je suis engagé m'a envoyé le voir. Je crois que nous avons le même objectif. Oui, Harkouf est quelqu'un de bien. Même si tous ceux de Saïs ont tendance à se prétendre homme de bien. Mais Harkouf a le cœur sur la main. Il veille jour et nuit sur sa ville et ses habitants. Oui. Il les protège des lâches tels que Sefetu et le Scarabée. J'ai aidé de nombreuses familles à quitter Saïs pour se mettre en sécurité, dont la pauvre Wenis et son fils. Car Sefetu n'hésite pas à faire brûler vifs tous ceux qui s'opposent à lui. Tu ne manques pas de courage pour sauver des gens qui ne sont pas de ton sang. Si tu le dis, je les cache dans mon village jusqu'à ce qu'on puisse constituer une caravane pour leur faire traverser le désert. D'où cette cargaison de vivres et de remèdes. Comment as-tu survécu ? Les soldats de Sefetu m'ont amené à Forniku, ensuite ils m'ont brûlé et torturé. Mais je leur ai craché au visage. Quand ils ont cru m'avoir brisé, par tous les dieux, Sefetu est venu ici!
Inutile de fuir! Tuez les rebelles! Protège le Neb! À l'aide! J'ai besoin d'aide! Il y a quelque chose ici. Tout près. Personne ne nous aura aujourd'hui. Très bien d'être prudent, Paris. C'est terminé. Toutes ces vies ravagées par ce monstre. Il y a des survivants ? Nous devons faire vite. D'autres vont venir. T'as entendu ça ? Oui. Dieu soit loué, tu es encore vivant. Jamais je ne te laisserai ici. Mes cousins ont une ferme près d'ici. Elle a peut-être été épargnée. Aide-moi à y amener Pentu. Bien sûr. Je m'en charge. Il a Merci d'avoir sauvé Pentu. Ce n'est rien à côté de ce que tu as fait. C'est à toi qu'il doit la vie. Et c'est loin d'être fini. Non. Ces chiens continuent à chasser pour leur maître. Je vais aller voir Arkouf. Il faut trouver le moyen de faire sortir ces fétous de son antre et en finir avec lui. Je ne peux pas ramener les tiens de la douate. Mais je vais t'aider à venger ton village.